bateau en bois pour pas trop cher, autour de 15 €. Donc celui-là, je crois que j'ai payé 17 ou 18 € ou plus, je me rappelle plus. Le paquet emballé dans un paquet en plastique, bah, un sachet plastique quoi, et avec ce deuxième emballage, des trous partout, regardez comme c'est déchiré. Heureusement je perds pas des pièces en route, tout semble être là, mais je crois il y a quelques casses, on va voir. Des planches très très fines découpées au laser avec le décor, les tracés au laser, c'est joli mais c'est trop fine, du coup ça va casser à fond. La bobine de corde pour faire les cordes qui attachent aux mains au voile, du coup c'est pas ça du tout. C'est des cordes de mauvaise qualité, des fils à coudre à quoi, de très mauvaise qualité, trop fine, pas assez épais. Normalement il faut beaucoup plus épais que ça, beaucoup beaucoup plus, et du coup je crois pas que ça va servir beaucoup. Ouais, je vais essayer de trouver si c'est possible de trouver des cordes beaucoup plus épais. Voilà, déjà je vois il y a un bout qui est parti, hein, qui est ici. Donc une trame fine, c'est combien, on va dire 5 mm à peu près, 4-5 mm d'épaisseur. Donc dessiné au laser et prédécoupé au laser. Donc le morceau qui est parti, cette planche est beaucoup plus épais, on voit la différence, regardez. Celui-là on va faire dans 6 plutôt, 6 mm ou 5 mm. Donc du coup celui-là il fait 2 mm, donc ici 5 mm on va dire en épaisseur. Donc c'est plus épais, deux fois plus épais que l'autre, avec des petites boulettes je crois. Au laser, donc la gravure beaucoup plus épais déjà. C'est celui-là, cette planche là de qualité, elle est bonne. Là sur 1000 morceaux du coup, très jolie gravure au laser, mais voilà, tout part en pièces. Donc les 2 mm ici, 2-3 mm en... Il y a des numéros qui sont sur les sur la partie non utilisée, donc partie en miettes. Le pont pareil, 2 mm d'épaisseur, très fine mais très joli au niveau gravure, mais ça va casser à fond, beaucoup plus épais. Ici c'est du 5 mm donc à peu près, donc qualité supérieure ici par rapport aux autres. Ici j'ai des mains, c'est en fait c'est des baguettes rondes de différents diamètres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de baguettes rondes, parce que j'ai vu sur les images de présentation de la vente, il y a à peu près 10 baguettes et moi j'en ai 5 seulement, 3 ici, 3 longues et 2 petites. Donc j'ai l'impression que j'ai la moitié en moi, donc j'aurais pas assez. Si c'est vrai, j'aurais pas assez pour faire le grand mât,
le mât moyen, et il y a une superposition pour rallonger en plus haut. Il y a pour le pont devant et pour l'arrière. Du coup, j'en ai pas assez, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, par rapport aux photos de la présentation, j'ai deux fois moins. Ici, des lattes. Un petit paquet de lattes pour faire le contour de la coque du bateau. Le contour, c'est-à-dire ici, le contour style comme ça, quoi. Voilà. Oh, là, il y a un qui est cassé. C'est un petit latte. Une pièce qui est cassée que j'avais vue avant. Je sais plus si. Ah, là. Voilà. Il y a plusieurs de cassés. Ici. Voilà. Donc, il y a pas mal de casses en route. En espérant que ce n'est pas de casse grave. Donc, c'est ici qui est cassé. Surtout si j'arrive à trouver des baguettes d'échange pour le manque, s'il manque. Et la planche assez épaisse ici, 5 mm, donc ici, avec la gravure au laser, donc qualité supérieure par rapport aux autres très fines de 2 mm ici. Là, il est parti, celui-là aussi. Là, j'ai même pas fait craquer, il est parti tout seul. Les brûlures du laser pendant l'après-découpe. Voilà. Oui, c'est tout simple en fait. Une planche, une grande planche en largeur, une planche moins large. C'est les deux seules planches épaisseur. Au niveau épaisseur, donc avec les petites boules, trois planches, mini planches en épaisseur. Les autres, c'est les planches de 2 mm très fines. Voilà, ça part en miettes déjà. Ici, un tissu, on dirait du tissu. Ce tissu, c'est bien. On dirait du, comment on appelle ça, du tissu fait avec des fibres de je sais pas quoi. Donc hop, qualité, j'aime bien cette qualité. C'est pas du tissu tout lisse là, c'est des tissus où on sent la texture du fait avec des fibres je sais pas quoi là, assez, qui n'est pas très lisse, qui est assez rugueux. Sac de riz, voilà, un peu comme des sacs de riz, des anciens sacs de riz faits avec des fibres de coco. La notice, deux feuilles qui se baladent comme ça, avec très peu d'indications. En fait, c'est même pas une feuille de notice, c'est une feuille de présentation en fait, où il n'y a pas grand-chose à voir. C'est écrit en chinois, anglais. Et là, incompréhensible et tout. Je sais pas si c'est le diamètre ou quoi. Donc ici, je pense c'est le diamètre, mais apparemment, c'est bizarre quand même le diamètre. 5 fois, il n'y a pas le nombre de pièces. Donc ça, j'ai pas trop compris. Et là, il dit par exemple 1 diamètre 5, c'est-à-dire il y a différents diamètres. J'ai pas autant de diamètre que ça. 5, 2, 3, 4. Donc, je vais vérifier ça. Voilà, au niveau notice, c'est juste quelques infos pour les voiles. Du coup, les voiles, je sais même pas comment on va faire pour la découper. Donc, c'est pas si une fois copie avec une taille exacte ou pas, ou il faut agrandir l'image pour découper cette tissu qui est beaucoup plus grand en fait par rapport aux photos ici. Feuille A4, deux feuilles A4, vraiment il n'y a pas grand chose à voir du coup au niveau notice, inexistant. Voilà, du coup je sais pas trop comment on va faire au niveau
dimensions. Et pareil, il y a les numéros. Ah oui, 1, 1, 2, 3, 4. 4 bois. Le cinquième bois découpé, je pense. C'est ça, ça doit être ça. Donc, il y a 4. 1, 2, 3. Donc, 4 bois. Pour le cinquième qui est découpé en petits morceaux. Je pense que c'est ça. Donc voilà, du coup il manque pas les baguettes rondes. Il y a 4 en tout, plus un cinquième qui est pré-découpé. Pré-découpé, c'est moi qui la découpe. La notice, donc pas grand chose à voir. À part une vue d'ensemble de différentes coupes, sans explication d'assemblage. Juste pour dire que des pièces montées, ça ressemble à ça. Voilà. Du coup, la voile, je sais que ça en fait, j'ai pas d'autres informations pour la voile. Non, donc c'est assez incompréhensible au niveau détail d'assemblage. Voilà. Voilà. Bon, je viens de noter les diamètres de chaque baguette qui est par rapport aux notices ici. La notice, c'est-à-dire il y a quatre tailles différentes, 4 ou 5, 4 tailles différentes, de 5 mm de diamètre, 2 mm, 3 mm et 4 mm. Donc, j'ai noté sur les baguettes du coup. Ici, 5 mm, le croc. Et deuxième, c'est 4 mm. J'ai noté ici. Voilà, 5 mm de croc, 4 mm de diamètre, le moyen. Et après, il y a un de 3 mm qui est ici. 3 mm, j'ai noté ici. Et il y a deux de 2 mm. C'est le plus petit baguette. C'est des courtes, deux courtes de 2 mm. Voilà, 3 mm, 4 mm et 5 mm. Voilà. Donc, voilà, c'est par rapport aux indications.